Allez, c'est reparti pour un tour. Bon, je voulais prendre l'autre, monter les roues. Je dis, j'ai eu la flemme. Ouais, j'ai changé juste la lipo sur celle-ci. C'est tout. Voilà. J'ai rien fait de particulier hein, à la bécane. C'est bon. Ça se trouve, la lipo, là, elle était au bout. C'est possible. Voilà. Allez. Et tranquille, elle roule toujours avec son X-Max en 4-2. Elle se rapproche. Et en 4S, hein. Allez. Voilà, des petits sauts. Des petits sauts comme ça, ça va très bien. Allez, c'est reparti pour un tour. Mon max sauteur, qui aujourd'hui a plus de 2000 sauts. Voilà, X-Max 4-2, tranquille, tranquillou, et en 4S. Wouah, tac-tac. Wouah, ah bah, dommage. De ce côté-là, c'est la misère de sauter. Vous voyez le terrain là, comment qu'il est flingué avec le X-Max. C'est pour ça qu'avec le max, lui, il n'aime pas. Bon, deuxième paire de lipo. Pas paire de lipo, deuxième lipo. Pour mon max sauteur. Celui-là, il commence à vieillir et je rappelle que celui-là, côté bac lipo, le châssis il est fêlé sur 5 cm. Donc si un jour je pète le châssis en direct, il ne faudra pas s'étonner. Front flip, back flip, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, tranquille. Juste à revoir ces raccords d'alimentation du contrôle. Parce que c'est un peu le bazar et puis ça chauffe, c'est pas bon. Donc ça c'est de l'électronique. Hein. On parle pas de la voiture elle-même, du châssis. D'accord ? Et celui-là, un de ces quatre, il faudra que je le refasse. Parce qu'il commence à être vieux, hein. Mine de rien. Je remplace au fur et à mesure. Mais pas tant de choses que ça, hein, mine de rien. Comparé au X-Max, hein, je veux dire. Vous voyez, hein. Vous le savez, mes sessions, c'est pas des sessions de 10 minutes. Là, ce matin, on est arrivé, il était 7h et quelques. Parce que là, les jours, ils raccourcissent de plus en plus. Vous voyez, putain, la hauteur qui saute, c'est de la folie, folie. Et donc, nos sessions, je disais, c'est des sessions de 2h, 2h30 de roulage, hein, à chaque fois. Voilà, on flippe quand il pique du nez, là. Évitez de faire le piqué du bâton. Avec le X-Max, tranquillou, propulsion, 4S. Après, je vais lui faire tourner en 6 et après en 8S. Et on va voir ce qu'elle préfère. Oh, aïe, aïe, aïe. Front flip, back flip, oh, la police. De la folie ce bac, de la folie pure et simple.
Bah oui, hein, freiner dans les airs, ça va pas arrêter la voiture. Hein. Oh! Qu'est-ce qui saute la vache? Qu'est-ce qui saute? Et là, des champs longueurs. Plus de lipo? Ok. Remets les roues droites. Bon. Bonne première lipo. J'ai remplacé, on va le passer en 6S. Maintenant. Allez, hop. Oui. Allez. En direct live. Voilà. Bon. Et sur le contrôle, je rappelle que j'ai mis le cut-off le plus haut possible. Il était en intermédiaire d'origine, donc là je verrai à combien qu'elles sont. Bon, sinon, lipo 2S froide, moteur. Bonjour. C'est matériel, là. Ah, il faut. Ça ne résonne pas, là. Eh ouais. Merci de même.